pour la chasse aux œufs. On va aller chasser l'œuf dans la pampa. Et Jane, c'est parti. Ouf. Tu as trouvé un? On a trouvé deux. Oh putain. 73 avec emballage. 73. Non, parce qu'on se dit pour... Bon bah c'est bon, du coup j'ai trouvé deux œufs, je m'arrête. Hein. Ça me suffit. Et j'ai trouvé un chablon caché dans le fenouil. Ah, ça pique cette merde. Hé hé. Les gestes barrières. Hé. Mais non. On a les bouillons par terre. J'ai trouvé. Avant, je pense que c'est des vrais œufs. Non. Oui, il y a des vrais œufs. Oh, excellent. Et voilà, pour la chasse aux œufs, on a trouvé des vrais œufs. Des œufs de Charlotte. Bon, alors ça y est, alors je pense que vous les avez tous trouvés là. Ça, faites voir vos paniers. Ouais. Voilà notre butin. Ils sont un peu fondus parce qu'ils sont restés trop longtemps au soleil. C'est un peu dégueu, mais on est en train de les compter, ce maboule. Et trop là. Moi j'ai les oreilles du lapin, sauf que du coup maintenant il ressemble plus à rien. Je sais pas ce qu'on dirait comme animal, mais c'est bien. Un rat. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le vlog du jour numéro 32. Il est 14h. Je me suis levée assez tard ce matin, genre vers midi et demi, hein, comme d'habitude. On commence tout juste la journée pour débuter. Faire un petit peu de boulot, je vais bosser parce que ça fait quelques jours quand même que j'ai pas ouvert éclat et j'ai peur des surprises. Et donc, voilà quoi. En fait, on peut pas trop sortir parce qu'il fait vachement froid aujourd'hui. Mais vous retrouvez aussi Renaud, qui est comme d'habitude en joie, n'est-ce pas mon ami? C'est toi. Toujours la joie, la bonne humeur et la courtoisie. C'est parti quoi pour une nouvelle journée de confinement. On se retrouve, il est presque 20h. comment vous dire? J'ai pas fait grand chose cet après-midi. Hein. Quoi que je fasse plein de trucs en vrai, genre. Faut que je fasse mes devoirs en fait. C'est tout ça. Du coup, je suis désolée, j'ai pas fait de couture aujourd'hui, mais je vous mettrai dans le vlog la couture que j'ai fait hier. Sur ce, je vais faire mes maths et c'est parti! J'ai fini mes maths, donc je vais descendre prendre l'apéro avec les autres et puis je vais la faire en même temps. Donc voilà, c'est parti! Je vais vous. Oula! Je ressemble à rien moi. Bon, je vais vous montrer à quoi ressemble mon petit truc que j'ai bien avancé là. C'est hier. C'est bon, t'as... Le haut ressemble à ça pour l'instant. Ça va être le buissier, ça va être assez ouvert. Et là, je compte mettre des petits lacets pour que ça ferme le dos. J'ai cousu les manches en tulle avec des petits rubans au bout pour fermer les manches. Ça. Accrocher, ça fasse un col carré. Ça rend pas grand chose, mais j'espère que ça va bientôt être fini. C'est tout pour la couture. On est descendu pour l'apéro. Ça va les geekos? Ouais, ça va. Un peu de relations sociales. Ah bah ça c'est bien ça. J'ai cassé les lunettes. Bonne chose. Je vais colorier ma carte mentale. On a fini de manger tout ça. On a fait un brainstorming sur nos activités.
Renaud, il est en train de jouer à Minecraft là-haut. Sur ce, ma soirée commence, puisqu'il est 22h30. Pas de Lily by Night ce soir, puisque il n'y aura pas de choses très palpitantes pour une soirée Lily by Night, quoi. Je vais finir de bosser, et puis, bah, voilà, quoi. Je vais encore copier mes définitions d'SVT et puis après on va aller se coucher parce que demain j'aimerais bien me lever un peu plus tôt que ces jours derniers. Le chouchou, on dirait les gâteaux, même pas ce que je vais en faire. Je suis fière d'avoir fait ça. C'est parti pour l'SVT, on y va. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. Et bien voilà, j'ai terminé de copier mon vocabulaire. Il est 2h du matin, donc je vais aller me coucher parce que demain il faut que je me lève à l'heure descente. Et le jour de confinement numéro 32. Je vous dis à demain pour un nouveau jour de confinement. Et toujours dans la joie et la bonne humeur.